La nature a toujours été pour moi un terrain d'apprentissage. C'est en la contemplant sous forme de méditation active que j'y ai développé mon sens d'observation. De l'intérieur, je suis continuellement en train de regarder la vie sous forme de tableau. Que ce soit les lumières, les ombres ou la perspective, dans mes pensées, tout se peint de façon automatique. J'ai trouvé un équilibre dans mon art le jour où l'intuitif est devenu complémentaire au figuratif, comme si mon cœur et ma tête se fusionnaient. D'abord et avant tout, je suis un coloriste qui ressent le besoin profond de créer des ambiances empreintes de lumière, de magie et d'harmonie. Habituellement, lorsque je peins, mon but premier est d'essayer de me retrouver dans un état de conscience où j'aspire à aider, à toucher l'âme des gens avec le maximum de lumière et de beauté qu'il m'est possible de transmettre à l'aide de mes pinceaux. Le portrait a toujours été au cœur de mon art. Je suis un autodidacte qui a beaucoup appris grâce à l'enseignement. D'ailleurs, c'est en donnant des ateliers que j'ai forgé mon talent. En général, j'œuvre simultanément et en alternance sur plusieurs projets. Selon l'inspiration du moment, je me connecte au tableau qui m'interpelle le plus. Si possible, j'essaie de ne laisser aucune interférence nuire à mon intuition présente. Cette méthode de travail stimule ma productivité et m'apporte une plus grande liberté artistique. C'est en grande partie grâce à la peinture que j'ai voyagé dans le monde. Parfois pour des concours, parfois comme formateur en peinture intuitive, et bien sûr, pour y exposer mes œuvres. Mais par-dessus tout, ce métier m'a permis de vivre d'innombrables partages et rencontres inoubliables. Selon moi, il peut y avoir plusieurs façons d'atteindre un objectif ou plusieurs techniques pour créer une œuvre. Mais l'intention d'en faire un résultat positif et inspirant demeure pour moi l'essence fondamentale. Le but ultime de cette quête artistique est de consacrer une partie de ma vie à la réalisation de qui je suis vraiment.